want to speak real french from your first lesson sign up for your free lifetime account at frenchpod101.com imagine you are at a grocery store in france you want to buy a few things what do you do bonjour je suis candice candice here anyone can learn how to go grocery shopping in france in this lesson you'll learn how sasha and karen are shopping at the supermarket let's watch bonjour bonjour avez- vous la carte de fidélité du magasin oui voilà alors cela fera 67 euros et 89 centimes s'il vous plaît merci voici votre monnaie Bonne journée. Au revoir. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Now with English. Bonjour. Bonjour. Avez-vous la carte de fidélité du magasin Oui, voilà. Alors cela fera 67 euros et 89 centimes, s'il vous plaît. Merci. Voici votre monnaie. Bonne journée, au revoir. Merci, vous aussi, au revoir. Au revoir. Here are the key words from the scene. Bonjour. Bonjour. Hello. Bonjour. 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 Monnaie. Monnaie. Change. Monnaie. 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 Euro. Euro. Euros. Euro. Euro. euro centime centime cents centime centime merci merci thank you merci merci merci, merci. Voilà. Voilà. There you go. Voilà. 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 And now, a breakdown of some of the French you heard in the scene. In the scene, what does the store clerk ask Karen for? Avez-vous la carte de fidélité du magasin? Carte de fidelité. Carte de fidelité. The word carte means card and de fidelité are literally of loyalty. Supermarkets in France have loyalty cards or rewards cards that give regular customers points or cash back for shopping at that supermarket. At a store in France, you may hear the phrase Avez-vous la carte de fidelité du magasin? The words Avez-vous are Do you have? And the words Du magasin are literally Of the store. So, altogether, Avez-vous la carte de fidelité du magasin? Is Do you have the store's loyalty card? So, it's a good phrase to remember when you go shopping in France. Now, you try. Say the words for loyalty card. Carte de fidelité. What does Karen say as she leaves the grocery store? Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Bonne journée. The word Bonne is good in the feminine form because the word journée which is day is feminine when you are leaving a situation it is polite to say have a good day to the people you were speaking to you can also say passez une bonne journée literally to spend a nice day to mean the same thing the word passer is a conjugated form of the verb passer to spend and the word une is the article a for feminine nouns now you try say karen's line bonne journee au revoir now the lesson focus Here's how you can go grocery shopping in France. Have you ever wanted to shop at a supermarché, supermarket in France? Here are some tips to help you out. In France, there are many big chain supermarkets, with some even offering service de station service, gas station services. Usually, French people go to the supermarket once a week. If you want to use a shopping cart, you can find them in the parking lot rather than at the front of the store. You have to use 1 euro to rent one out, which you will get back at the end of your shopping trip. Also, cashiers do not weigh your vegetables and fruit for you. You have to do it yourself. You place the fruit and vegetables on a scale, and a barcode sticker comes out of the machine. Then, you place the sticker on the bag and take it to the cash register. It is also a good idea to bring your own shopping bags. Usually, supermarkets charge for plastic shopping bags, and you have to bag your groceries by yourself. If you are looking to get a discount, getting a carte de fidelité supermarket loyalty card is a great idea. You can rack up points and get deals on certain items. Some supermarkets even have catalogues de cadeaux gift catalogues. These have gifts that correspond to how many points you have. Once you have accumulated enough points, you can pick out a gift from the catalog. If you are looking for something more unique, you can try one of France's many magasins spécialisés. Specialty shops. Specialty shops come in all kinds, from cheese shops to tobacco shops to organic food stores. Of course, you can get many things from regular supermarkets. However, if you are looking for a wider variety, or for something really unique, these are the places to go. When you are finished shopping and leaving the store, don't forget to say, Bonne journée! Have a good day to the person who helped you. This is very polite and shows respect to the shop staff. Now it's time to practice your new ability. You are at a grocery store in France and would like to check out. Ready? Here we go. You need to get a grocery cart to start your shopping. What will you need in French? 1. A grocery store loyalty card. 2. 1 euro. 3. Nothing. 1 euro. You want to buy some French cheese. Where is the best place to go? 1. A big supermarket. 2. A specialty shop. 3 a cheese farm magasin spécialisé how do you say have a good day to the shop clerk before you leave the store bonne journée great job 1 euro magasin spécialisé Bonne journée Bon travail. Now, watch the scene one more time. After that, you're ready to go grocery shopping in France. Have a good time. À la prochaine. Bonjour. Bonjour. Avez-vous la carte de fidélité du magasin oui, voilà. Alors cela fera 67 euros et 89 centimes, s'il vous plaît. Merci. Voici votre monnaie. Bonne journée, au revoir. Merci vous aussi, au revoir. Au revoir. Imagine you are at home and want to order delivery in French. What do you do? Bonjour, je suis Candice. Candice here. Anyone can learn how to order food over the phone. In this lesson, you'll learn how Marc, Marcel, and Sasha are watching a soccer game. They decide to order pizza over the phone. Let's watch. Hello, ici Super Pizza. J'écoute. Bonsoir, j'aimerais commander une pizza jambon fromage, une pizza aux légumes et une pizza à quatre fromages, s'il vous plaît. Et avec ceci Une bouteille de coca, s'il vous plaît. D'accord. Vous pouvez livrer la commande au 111 rue de France, s'il vous plaît Très bien, votre commande vous sera livrée dans une demi-heure. Merci. Au revoir. Au revoir. Now with English. <tousse> Allô, oh, ici Super Pizza Jécoute. Bonsoir, j'aimerais commander une pizza jambon fromage, une pizza aux légumes et une pizza à quatre fromages s'il vous plaît. Et avec ceci, une bouteille de coca s'il vous plaît. D'accord. Vous pouvez livrer la commande au 111 rue de France s'il vous plaît Très bien, votre commande vous sera livrée dans une demi-heure. Merci. Au revoir. Au revoir. Here are the keywords from the scene. Commander. Commander. To order. Commander. 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 Demi-heure. Demi-heure. Half an hour. Demi-heure. 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 Demi Rue rue street rue 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 livré livré, livré. deliver livré 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 pizza 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 Pizza, pizza, pizza. Coca, coca, coke, coke. Coca. Coca. coca, coca, coca. And now a breakdown of some of the French you heard in the scene. How does Mark ask the restaurant worker to deliver the pizza to his address? Vous pouvez livrer la commande au 111 rue de France, s'il vous plaît? Vous pouvez livrer la commande au 111 rue de France, s'il vous plaît? Vous pouvez livrer la commande au 111 rue de France, s'il vous plaît? Can you deliver the order to please? You can use this phrase when you would like a delivery ordered to your house or another location. The word vous is the pronoun you, and the word pouvez is can. Together, in English, the words are reversed to make the question, Can you? The verb livrer. To deliver is followed by La Commande, the order. The next word is O, to, which indicates where you want the order to be sent. After you say this phrase, say the address, followed by S'il vous plaît, please, to be polite. Now you try, say Mark's line. D'accord. Vous pouvez livrer la commande au 111 rue de France, s'il vous plaît How does Mark place his order? Bonsoir, j'aimerais commander une pizza jambon-fromage, une pizza aux légumes et une pizza à quatre fromages, s'il vous plaît. Bonsoir, j'aimerais commander une pizza jambon-fromage, une pizza au légumes et une pizza quatre fromages, s'il vous plaît. Bonsoir, j'aimerais commander une pizza jambon fromage, une pizza aux légumes et une pizza quatre fromages, s'il vous plaît. The word « bonsoir » is « good evening », followed by the words « je »,« I ». voudrais would like and commander to order after that add what you would like to order then end with s'il vous plaît please politely for example if you would like to order a large cheese pizza you would say bonsoir je voudrais commander une grande pizza au fromage s'il vous plaît good evening i would like to order a large cheese pizza please the word une is a for feminine nouns and the words grande pizza are large pizza the word for large is feminine here because the word for pizza in french is feminine this is followed by au fromage literally of cheese now you try say mark's line allô uh, ici super pizza j'écoute Bonsoir, j'aimerais commander une pizza à jambon fromage, une pizza aux légumes et une pizza à quatre fromages s'il vous plaît. Now, the lesson focus. Here's how to order delivery over the phone in French. It is very easy to find delivery in France. Many people get flyers in their mailboxes. However, doing a simple online search will give you tons of options. Just type Livraison de nourriture, food delivery into your computer and hit search. Some websites will ask for your address and what kind of food you would like to order. Then they tell you what's available in your area. In France, even supermarkets do delivery. You can order everything online and they'll drop it off at your house. If you are calling a delivery place and have decided what you want, you can use the phrase J'aimerais commander. S'il vous plaît. Simply put what you want to order after the word commander. After you place the order, you need to tell the staff where to deliver. In France, you give your address by using the phrase Vous pouvez livrer la commande au. S'il vous plaît. Simply put your address after the word au. Usually, zip codes are used only in big cities like Paris. So, if you are somewhere more local, you only have to give the house or building number and the street name. A good thing to know once your food arrives is it is actually okay not to tip in France. It is not considered rude. Some people round the total up to the nearest euro, but not everyone. So, don't worry if you are strapped for cash. Now, it's time to practice your new ability. You're going to make a call for delivery. Ready? Here we go. What do you search for online to find restaurants that deliver? Livraison de nourriture. How would you say, I would like to order, please? Bonsoir, je voudrais commander, s'il vous plaît. How do you say please deliver to in French? Vous pouvez livrer la commande au s'il vous plaît. In what order do you give your address in French? Numéro de la maison, l'appartement. Nom de la rue. Arrondissement. Great job. Livraison de nourriture. Bonsoir, je voudrais commander, s'il vous plaît. Vous pouvez livrer la commande au s'il vous plaît. Numéro de la maison, l'appartement, nom de la rue, arrondissement. Bon travail. Now, watch the scene one more time. After that, you will be able to order delivery over the phone. Enjoy. À la prochaine. Oh, ici Super Pizza. J'écoute. Bonsoir. J'aimerais commander une pizza jambon fromage, une pizza aux légumes et une pizza à quatre fromages, s'il vous plaît. Et avec ceci. Une bouteille de coca, s'il vous plaît. D'accord. Vous pouvez livrer la commande au 111 rue de France, s'il vous plaît. Très bien, votre commande vous sera livrée dans une demi-heure. Merci. Au revoir. Au revoir. Imagine you are at a restaurant in France. What do you do? Bonjour, je suis Candice. Candice here. Anyone can learn how to order food at a restaurant. In this lesson, you'll learn how Marc, Karen, Marcel and his wife are at a restaurant in France. Let's watch. Vous avez choisi Je vais prendre un steak frais. Moi, une ratatouille. Moi, le poisson du jour. Pour moi, juste une salade, s'il vous plaît. Et comme boisson Une bouteille de vin blanc, s'il vous plaît. Ce sera tout Oui, merci. Now, with English. Vous avez choisi je vais prendre un steak frais. Moi, une ratatouille. Moi, le poisson du jour. Pour moi, juste une salade, s'il vous plaît. Et comme boisson Une bouteille de vin blanc, s'il vous plaît. Ce sera tout Oui, merci. Here are the key words from the scene: Ratatouille. Ratatouille. ratatouille, 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 Poisson, poisson, fish, poisson, poisson, poisson. poisson. Steak frites. Steak frites, steak and fries, steak frites, steak frites, steak frite. salade, salade, salad, salade, 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 vin blanc. Vin blanc, white wine. Vin blanc, vin blanc, vin blanc. Boisson, boisson, drink, boisson, boisson, boisson. boisson. And now, a breakdown of some of the French you heard in the scene. In the scene, how does Marcel ask for his order? Je vais prendre un steak Je vais prendre Je vais prendre I will take. The word "je" is the pronoun "I." and the word they is the conjugated form of the verb aller to go in this case it is in the future so it means will the last word is prendre take this phrase is not only used in restaurants but in bakeries butcher shops anywhere food is sold to be polite make sure to add s'il vous plaît please at the end if you want to ask for today's special at a restaurant you can say Je vais prendre le plat du jour s'il vous plaît. I will take today's special please. Now you try. Say Marcel's line. Vous avez choisi Je vais prendre un steak frites. How did the waiter ask if the group had finished ordering? Ce sera tout Ce "_sera tout_," "_ce sera tout_," tout? will that be all? the word "_ce_" is literally "this," and the word "_sera_" is the conjugated form of the verb "_être_" (to be). in the future it becomes "_will_," and finally the word "_tout_" is all or everything. this is a polite expression normally used by waiters to ask if their customer's order is complete now you try, say the waiter's line. une bouteille de vin blanc, s'il vous plait. ce sera tout. now the lesson focus. here's how to order food at a restaurant in france. some places are really popular. Especially in the big cities. That's why it's a good idea to make a reservation. If you get on the waiting list, there is a chance someone might cancel and you can get in at the last minute. Reservations are usually made over the phone. Just tell their staff what day, time, and how many people will be in your party. If you feel a little uncomfortable speaking French, you can ask, Parlez vous anglais? Do you speak English? Most places have staff that speak a little bit. If you are still worried, many places take reservations online or even by fax. Here is how to order food at a restaurant in France. The most important thing to remember is to be polite. It's a good idea to say, Bonjour, s'il vous plaît, and Je vous remercie. Hello, please, and thank you. When you are deciding what to order and want to know what the daily special is, you can say Quel est le plat du jour? What is today's special? Or if you want the waiter or waitress's recommendation, you can ask Que recommandez-vous? What do you recommend? Most places have plenty of options for vegetarians and vegans too, so don't worry if you have certain dietary restrictions. If everything looks great and you still don't know what to order, you can say Je n'ai pas encore choisi. I haven't decided yet. And they'll give you a few more minutes. When you have finally decided, you can use the phrase Je vais prendre, s'il vous plaît. I will take, and add what you would like to order before the words, s'il vous plaît. After giving your order, your waiter might ask you, Ce sera tout? Will that be all? So make sure to listen for it. Usually, French waiters and waitresses are really polite and will not interrupt you when you're having dinner. Therefore, if you're ready to get the check, you have to get their attention. Simply say, Excusez moi, l'addition, s'il vous plaît. Excuse me, the bill, please. Most restaurants in France have a service charge, but the good news is, tipping is more of a courtesy. It is not required and it's not considered rude if you don't tip. If you really liked the service and would like to give the waiter or waitress something, the average is 5 or 10% of the bill. Now it's time to practice your new ability. You're at a restaurant in France. Ready? Here we go. How do you ask what the daily special is in French? Quel est le plat du jour? How do you ask for the waiter or waitress's recommendation? Que recommandez-vous? How will you tell the waiter or waitress what you want to order at a restaurant in France? Je vais prendre. How do you get the waiter or waitress's attention when you're ready for the bill? Excusez-moi, l'addition, s'il vous plaît. Great job. Quel est le plat du jour? Que recommandez-vous? Je vais prendre. Excusez-moi, l'addition, s'il vous plaît. Bon travail. Now watch the scene one more time. After that, you're ready to order at a restaurant in France. Have a good time. À la prochaine. Vous avez choisi Je vais prendre un steak frais. Moi, une ratatouille. Moi, le poisson du jour. Pour moi, juste une salade, s'il vous plaît. Et comme boisson. Une bouteille de vin blanc, s'il vous plaît. Ce sera tout Oui, merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Si vous connaissez l'histoire française, vous savez peut-être que le 11 novembre 1918 est une date importante pour les Français. C'est d'ailleurs un jour férié. Cette date est celle d'un armistice, une convention signée par plusieurs gouvernements afin de stopper des combats entre armées. Elle marque ainsi la fin de la Première Guerre mondiale. Dans cette leçon, nous allons apprendre pourquoi les Français célèbrent l'armistice du 11 novembre 1918. Savez-vous quel surnom est donné aux soldats français de la Première Guerre mondiale Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. La Première Guerre mondiale est un conflit militaire qui a lieu principalement en Europe entre 1914 et 1918. Cette guerre est traumatisante pour la France car c'est le pays le plus touché avec 1,4 million de morts. Elle prend fin lorsque les Anglais, les Français et les Allemands signent l'armistice le 11 novembre 1918. Chaque 11 novembre, le président de la République française exécute un rituel afin de commémorer cette date. Il dépose une gerbe tricolore devant la tombe de Georges Clemenceau, symbole de la victoire de la Grande Guerre. Puis, il remonte les Champs-Élysées escortés par les cavaliers de la garde républicaine, puis passe les troupes militaires en revue sur la place Charles de Gaulle. Enfin, il se recueille sur la tombe du soldat inconnu sous l'arc de triomphe. Le dernier poilu français, Lazare Ponticelli, est décédé le 20 janvier 2008, à l'âge de 110 ans. Après sa mort, il a été décidé que le 11 novembre ne serait plus seulement un hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale, mais également à tous les soldats français décédés en opération. Dans les villes et villages français, des petites cérémonies sont organisées chaque année. Ce sont généralement des musiciens, par exemple des fanfares, qui interprètent des morceaux de musique. Les Français peuvent aller assister à ces concerts, qui sont généralement gratuits. En ce jour férié, le président de la République porte le bleuet de la France à sa boutonnière. Il arrive que certains Français le portent également. Cette fleur symbolise le soutien et la solidarité de la France envers les anciens combattants, les veuves et les orphelins. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Les soldats français de la première guerre mondiale étaient surnommés les poilus. À l'époque, le mot poilu pouvait désigner dans le langage familier quelqu'un de courageux et de viril. Surnommer les soldats français de poilus indiquait donc qu'ils étaient téméraires. Comment était cette leçon Avez-vous appris des choses intéressantes Dans votre pays, célébrez-vous également la fin de la Première Guerre mondiale Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Comme d'autres pays, la France célèbre la fête du travail. Le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé et payé en France. Les bus et les métros ne fonctionnent pas et tous les magasins sont fermés. Seuls certains centres indispensables comme les hôpitaux restent ouverts. Ce jour férié est la fête du travail. Dans cette leçon, nous allons apprendre pourquoi et comment les Français célèbrent la fête du travail. Savez-vous comment autrefois un jeune homme déclarait sa flamme à la fille qu'il aimait le 1er mai Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. En juin 1889, le Congrès de la Deuxième Internationale Socialiste est réuni à Paris pour le centenaire de la Révolution française. Il décide de faire du 1er mai un jour de lutte à travers le monde avec pour objectif la journée de travail de 8 heures. Cette date est choisie en hommage au mouvement du 1er mai 1886 de Chicago, lorsqu'une grève est lancée par des syndicats, suivie par 400 000 salariés afin d'obtenir la journée des 8 heures. C'est en 1947 que le 1er mai en France devient un jour férié et payé. Sur une proposition de Raymond Lavigne, la Deuxième Internationale Socialiste décide de faire de chaque 1er mai une journée de manifestation avec pour objectif la réduction de la journée de travail à 8 heures. Cette revendication a été obtenue, mais la tradition de manifester pour les droits des travailleurs est restée. Chaque année depuis, de grandes manifestations ont lieu dans toute la France lors du 1er mai. Les plus importantes d'entre elles ont lieu à Paris. Les Français manifestent en défilant dans les rues. Ils crient des slogans et portent des pancartes sur lesquelles sont affichées leurs idées politiques. Le 1er mai est également le jour du muguet. Cette coutume a été lancée en 1561 par Catherine de Médicis. Lorsque son fils, le jeune roi Charles IX, alors âgé de 10 ans, offrit un brin de muguet aux dames présentes. Cette habitude est restée chez les Français et aujourd'hui, encore, nous achetons et offrons du muguet à nos proches le 1er mai. Il n'est d'ailleurs pas rare dans les manifestations de voir des participants défiler avec des brins de muguet attachés à leur boutonnière. Un film français intitulé 1er mai est sorti en 1958. Yves Montand, un célèbre acteur français, incarne le rôle principal. Le film raconte la journée peu ordinaire que vont vivre un père et son fils lors de ce jour férié. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Avant que la tradition du muguet existe, il y avait celle de l'arbre de mai. Les jeunes hommes célibataires devaient se rendre en forêt le 30 avril afin de tronçonner un arbre et le déposer devant la porte de la jeune fille qu'il souhaitait épouser. Comment était cette leçon Avez-vous appris des choses intéressantes Dans votre pays, fêtez-vous la fête du travail également Avez-vous un jour précis pour manifester Laissez-nous un commentaire sur frenchpod101.com et à très bientôt. Welcome back watchers. This week we're going to talk about Valentine's Day. Let's go. Saint Valentin. Valentine's Day. La Saint Valentin. Valentine's Day. So in France, Valentine's Day is also on February 14th, and basically, as yes, everywhere else in the world. In France, uh, boys and girls give presents to each other and try to spend the day together on a date. So, it's not only the guy giving the girl stuff or only the girl giving the guy chocolate or something like that. It's really both of them trying to be together and having a good time. Having a date on Valentine's Day. Avoir un rencard le jour de la Saint Valentin. And on Valentine's Day, sometimes the Eiffel Tower got a little heart shape on its screen. So, it's cute and it's pink and everything. chocolat, Chocolate. Chocolate. Chocolate so yeah chocolate is a kind of traditional valentine's day gift i guess from all over the world usually for valentine's day you get a lot of uh, special edition chocolates like with chocolate in heart shaped boxes or fancy mon chéri which is a chocolate with a cherry inside and the pan is that cherry in french is also sweetheart so it kind of translates my sweetheart so it's cute donner des chocolats à son amoureux to give your lover chocolates. Bouquet de fleurs, flower bouquet. So, bouquet de fleurs, flower bouquet. If you want to be romantic and especially for Valentine's Day, usually it's red roses because it's love. You get a bouquet arranged with different kinds of flowers which have different kinds of meaning, and you arrange the flowers with the color of the flowers to have the right meaning and everything. So, sometimes it gets really complicated, bouquet of flowers, all fancy. Donner un bouquet de fleurs à sa petite amie. To give one's girlfriend a flower bouquet. Parfum, perfume. Parfum, perfume. This is one of the gifts that you could give to a girl or sometimes girls to guys for Valentine's Day. Usually, people advise to not gift perfumes because having a scent is kind of really personal and if the Person doesn't like it and it's kind of awkward because you give it to them, so they kind of have to wear it. I remember that time where uh, my dad was given a perfume and he was allergic to it, <laughs> so he couldn't put it without uh, sneezing all the time. And then the girl was like, Why don't you put the perfume I gave you? <laughs> uh, mettre du parfum, to put on perfume. Petit ami, boyfriend, girlfriend, petit ami, boyfriend or girlfriend. It's kind of the same sound, but we'll write uh, petit without e uh, for boy and petit with an e for girls. So it's petit ami and petit ami. You cannot tell the difference with the pronunciation because you have to link the t with the next letter, the a, when pronouncing it. But it's written differently. So petit ami is boyfriend or girlfriend. To go on a date with your boyfriend, avoir rendez-vous avec son copain this is usually what you do on valentine's day, right? <laughs> so yeah, happy valentine's day, and uh, don't forget to subscribe for more french videos and check the website for more cultural points. welcome back, watchers. this week we're going to talk about carnival. let's go. carnival. carnival. carnival is a big party we have uh, all around the country, and it's usually on a tuesday because it's also called fatty tuesday or mardi gras, where you Eat crêpe again. And uh, everyone is wearing a disguise and partying in the street. We got big uh, floats or kind of cars made by people with decorations and everything. And we throw confetti and it's parked in the street. Le jour du carnaval, carnival's day. Or costume de carnaval, carnival costume. Char, float so it's a big float like huge one and uh, we close the roads and we parade with them and they are decorated with uh, paper and kind of sculptures and some have a band on it that play music in paris it can be really big and in the countryside we got smaller one but it's quite nice as well and it's really joyful everywhere yeah and every float got a seam so someone will have like a pirate theme or far west theme or Greek mythology theme or even no seam sometime <laughs> and just random sparkles everywhere. J'ai pris deux mois pour faire mon char. It took me two months to do my float. Nice, 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 uh, nice. Nice is a city in France in the south. It's very famous for its big carnival. It's Quite a big city, so I'm not surprised that the carnival is also quite big. Le carnaval de Nice est le plus célèbre. Nice carnival is the most famous. Concours de fleurs, flower competition. Concours de fleurs, flower competition. Really? So some of the floats are really fancy and you have competition for this. And so some carry flowers and so there is a flower competition. So the prettiest wins. Le plus beau bouquet de fleurs gagne. the prettiest flower bouquet wins. se déguiser, to disguise. se déguiser, to disguise. so for carnival, you disguise yourself as whatever you want. small girls will dress up as like princesses and small boys will dress up as mario or firefighter. adults also prepare costume to parade with their kids or by themselves. what would you disguise yourself in for carnival? leave it in the comments se déguiser en princesse to disguise as a princess That's it so what's your best carnival costume or carnival memory you had leave it in the comments don't forget to subscribe for more french videos welcome back watchers this week we're going to talk about grandmothers day fête des grand-mères grandmothers day la fête des grand-mères grandmothers day it's a day where you have to care about your grandmothers <laughs> to visit your grandmother on grandmothers day Visiter sa grand-mère le jour des grands mères Grand-mère, grandmother, grand-mère, grandmother. <coughs> Grandma made me a cake. Ma grand-mère m'a fait un gâteau. They say that grandmother's cooking is the best. La cuisine de grand-mère est la meilleure. Bouquet de fleurs, flower bouquet. Bouquet de fleurs, flower bouquet. I gave a bouquet of tulip to my grandmother. J'ai donné un bouquet de tulipes à ma grand-mère. Merci, mon petit chou! Thank you, my sweetheart! If I sound like this for my grandma. <laughs> <laughs> Oubliez, to be forgotten. Because we forgot grandpa, there is no grandfather's day. On a oublié papi. We forgot grandpa. Whoopsie! Don't forget your grandmother. N'oubliez pas votre grandmère. Café, coffee. Café, coffee. Because grandma coffee is a really famous brand in France and it's kind of because of it there is a grandmother's day. and so le café grand'mère, grandma coffee. so thank you for watching. don't forget to leave a comment about what would you do for your grandmother or what does she do to you? like does she make you cakes when you visit? and don't forget to subscribe for more videos and check the website for more cultural points. so welcome back, watchers. do you like french food? because this week we are going to talk about gastronomy day. Here we go! Fête de la gastronomie. Gastronomy day. Party about food! À la fête de la gastronomie, on mange de l'excellente nourriture. For gastronomy day, we eat delicious food. Gastronomie. The art of making good food. So, for this day, we try to make the food really fancy and really tasty. and take a lot of time to prepare everything and make it look and taste beautiful. The art of making good food is called gastronomy. L'art de faire de la bonne nourriture est appelé la gastronomie. Cuisine française French food One of my favorite French food would be something like desserts or sweet stuff like uh, macarons. Those are nice desserts that are Really precise to make and croissant, which is for breakfast. You have to make them all with thin sheets of dough and roll them and everything and then fold it again and then fold it again and then it makes them all crunchy and delicious. Quelle est votre cuisine française preferée? What's your favorite French food? Concours de cuisine amateur Amateur cooking contest. What would you make in one of those contests? I would make my delicious salmon pasta. It's so famous. Le guide Michelin, the Michelin guide. Je suis les conseils du guide Michelin. I follow the advice of the Michelin guide. Because it's good, but then you end up in an expensive place. So, I hope you enjoyed this lesson and that you will also get delicious food. Subscribe for more videos and check the website for more French and maybe more food. A bientôt! See you next time! Whoopsie! Uh, we party about food! Vendredi 13. Do you know about Vendredi 13? Vendredi 13 means Friday the 13th. In France, people believe that Friday the 13th is the day where bad things happen. It's because Friday is said to be an unlucky day and 13 is said to be an unlucky number according to religious beliefs. There are other theories too about the origin of this superstition. Je ne crois pas aux superstitions. Et les vendredis 13, il m'arrive beaucoup de bonnes choses. Trèfle à quatre feuilles. Do you know about trèfle à quatre feuilles? Trèfle à quatre feuilles means four leaf clover. In France, it's believed that finding a four leaf clover will bring you luck. It's because each leaf represents some quality faith, hope, love, and the fourth one, luck. J'ai trouvé un trèfle à quatre feuilles. Casser un miroir. Did you know? Casser un miroir means to break a mirror. Like in a lot of other countries, breaking a mirror is considered bad luck in France. In France, it's believed that if you break a mirror, you will be unlucky for seven years. This is because the Romans believed that a mirror contained someone's soul and breaking it corrupts the soul. For them, the physical body renews itself once every seven years, which is the amount of time required. To restore the soul. Mon frère a cassé le miroir de la salle de bain, donc il va avoir 7 ans de malheur. Faire à cheval. Did you know? Faire à cheval means horseshoe. In France, it's believed that hanging a horseshoe above your door will bring you luck. Some people believe. That this is because they are made of iron, which is believed to keep evil spirits away. However, this is just one belief, and there are other theories about the origin of this superstition. Mettre le pain à l'envers sur la table Did you know? Mettre le pain à l'envers sur la table means to put bread upside down on the table. In France, it's believed that putting bread upside down on a table will bring bad luck. It's because people believe that you will invite famine into the household. However, this is just one belief and there are other theories about the origin of this superstition. Tu as encore mis le pain à l'envers sur la table. Fais attention la prochaine fois. Toucher du bois. Did you know? Toucher du bois means to knock on wood. In France, it's believed that knocking on wood is good luck. It's because in ancient times, people used to believe that spirits or deities lived in trees, and knocking on the tree or touching it would acknowledge them and protect one from misfortune. J'espère que tout se passera bien. Je touche du bois. Passer sous une échelle. Did you know? Passer sous une échelle means to walk under a ladder. In France, it's believed that walking under a ladder brings bad luck. One theory is that a very sharp ladder creates a triangle that resembles the Trinity. Any human being that went through the sacred space would profane it. Ne passe pas sous l'échelle, c'est dangereux. Étoile filante. Did you know? Étoile filante means shooting star. In France, it's believed that if you make a wish while you see a shooting star, it will come true. It's because for some people, a shooting star, which is a rare spectacle, represents falling souls who will help make wishes come true. Hier, j'ai vu une étoile filante et j'ai fait un vœu. J'espère qu'il se réalisera. Chat noir. Did you know? Chat noir means black cat. In France, it's believed that seeing a black cat at night will bring you bad luck. Some people believe that this is because black cats are incarnations of the devil. However, this is just one possible theory. Fais attention si tu vois un chat noir traverser la rue. Croiser les doigts. Did you know, croiser les doigts means to cross fingers. In France, it's believed that crossing fingers is a sign of good luck. It's because in the pre-Christian era, crosses symbolized power and unity. The middle of the cross represented all that was good. People used to make wishes on it to ward off evil. Je croise les doigts pour ton examen demain. Did you enjoy this series about French superstitions? Click here to go to frenchpod101.com to learn even more French. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Connaissez-vous la Pentecôte C'est un jour férié et une fête chrétienne célébrée en France 50 jours après Pâques. Nous allons vous en dire plus sur la Pentecôte au cours de cette leçon. Savez-vous quel animal est mis en avant le jour de la Pentecôte en France Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. Le nom de cette fête vient du grec. Il signifie 50e jour. La fête de la Pentecôte est très ancienne. Les Hébreux la célébraient à l'occasion des moissons et en souvenir des tables de la loi données à Moïse. Et les Juifs la fêtent encore. Les chrétiens commémorent la venue de l'Esprit-Saint sur les apôtres 50 jours après la Résurrection, donc 50 jours après Pâques. Avant la Révolution en France, la semaine qui suivait la Pentecôte était fériée. Mais en 1801, le Concordat a délimité le caractère férié au seul lundi de la Pentecôte. Les Français travaillent donc les autres jours de la semaine. Le lundi de la Pentecôte a été choisi comme jour férié. D'après la loi du 8 mars 1886, elle est toujours restée sans autre particularité jusqu'en 2004. Une journée de solidarité envers les personnes âgées a été instaurée par la loi en 2004, par Solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées, sous l'action du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. Cette loi a été votée après la canicule de l'été 2003 qui entraîna la mort d'environ 15 000 personnes. Cette journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés. Il a été décidé que ce jour de travail supplémentaire aurait lieu le jour de la Pentecôte. Néanmoins, cela n'est pas obligatoire. Le compositeur français Olivier Messiaen a composé une de ses œuvres les plus importantes afin de célébrer cette fête. Cette composition pour les orgues est nommée la Messe de la Pentecôte. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Savez-vous quel animal est mis en avant le jour de la Pentecôte en France Dans les années 1990, la Confédération française de la boucherie a eu l'idée de promouvoir la viande de veau en créant l'opération Veau de la Pentecôte. Cette idée est reprise chaque année et est purement commerciale. Comment était cette leçon Avez-vous appris des choses intéressantes Et dans votre pays, fêtez-vous la Pentecôte Laissez-nous un commentaire sur Frenchpod101.com et à très bientôt. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Savez-vous pourquoi le 10 mai est une date importante en France C'est la journée annuelle de la mémoire de l'esclavage. Les Français célèbrent en effet la fin de l'esclavage, son abolition. Un esclave est une personne de condition non libre considérée comme un instrument économique pouvant être vendu ou acheté. Et qui est sous la dépendance d'un maître. Nous en dirons plus au cours de cette leçon. Quel ancien esclave est devenu le premier général noir de l'armée française Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. Au XVIe siècle, la colonisation du Nouveau Monde a suscité de nouveaux besoins de main-d'œuvre. Les Européens ont alors fait venir des esclaves d'Afrique. Sous la Révolution, les députés de la Convention abolissent l'esclavage une première fois pour calmer les révoltes dans les colonies des Antilles. Mais Napoléon Bonaparte revient sur cette mesure et légalise l'esclavage le 20 mai 1802. Il faut attendre la révolution de février 1848 pour qu'enfin, dans l'effervescence républicaine, l'esclavage soit totalement aboli en France métropolitaine et d'outre-mer. La date du 10 mai correspond à l'adoption par le Parlement le 10 mai 2001 de la loi Taubira, reconnaissant la traite négrière transatlantique et de l'esclavage. Cette loi française reconnaît l'esclavagisme comme un crime contre l'humanité. Le président de la République française, Jacques Chirac, décide en 2006 de faire du 10 mai la journée commémorative de l'abolition de l'esclavage en métropole, l'occasion pour la France métropolitaine d'honorer le souvenir des esclaves et de commémorer l'abolition de l'esclavage. Lors de la journée annuelle de la mémoire de l'esclavage, plusieurs manifestations et commémorations ont lieu en France métropolitaine comme en Outre-mer. Par exemple, le musée du Quai Branly à Paris, qui présente notamment des collections d'objets de la civilisation africaine, participe activement à cette journée. En effet, des animations spécifiques sont organisées dans le musée lors de cette journée et des dossiers thématiques sont mis en ligne à propos de l'esclavage sur son site internet. Marie-Olympe de Gouges, née en 1748 et morte de guillotinée en 1793, est surtout connue pour son combat en faveur des droits des femmes. Mais elle militait également en faveur de l'abolition de l'esclavage au travers d'écrits comme sa célèbre pièce de théâtre Zamor et Mirza. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Quel ancien esclave est devenu le premier général noir de l'armée française? Toussaint L'Ouverture est un ancien esclave né en Haïti en 1743. Il prit la tête de la révolte des esclaves contre les colons blancs en 1791. Trois ans plus tard, la République française abolit l'esclavage et Toussaint se rallie à elle, devenant ainsi le premier général noir de l'armée française. Comment était cette leçon Avez-vous appris des choses intéressantes Dans votre pays, avez-vous un événement en mémoire de l'abolition de l'esclavage Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Célébrez-vous comme les Français la fête des voisins Cet événement est une initiative d'une association caritative parisienne. Il a lieu le dernier vendredi de mai ou le premier vendredi du mois de juin. Au cours de cette leçon, nous allons en savoir plus à propos de cette fête. Savez-vous quelles sont les trois plus grandes villes de France Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. La fête des voisins, également nommée Immeubles en fête, est une fête à l'origine française. Son but est de permettre à des voisins de se rencontrer de façon conviviale. Cette idée est née en 1990 lorsqu'un groupe d'amis crée l'association Paris d'Amis dans le 17e arrondissement de la capitale française. Ils souhaitent renforcer les liens de proximité entre les habitants du quartier et lutter ainsi contre l'isolement. L'association réalise alors de nombreux projets dans ce but comme un service de parrainage pour les voisins en difficulté. En 1999, l'association lance la fête des voisins dans le 17e arrondissement de Paris. Et le succès est immédiat puisque 800 immeubles y participent, permettant de mobiliser plus de 10 000 habitants. Le principe est simple, une fête est organisée dans un immeuble, une maison, un jardin. Tout le monde est libre d'organiser cette fête et d'y participer. Chaque participant peut amener à boire ou à manger. Cette initiative permet de rencontrer ses voisins et de mieux connaître les personnes qui habitent le quartier. Cet événement français a maintenant dépassé les frontières de son pays d'origine. D'abord avec l'extension de la fête à la Belgique et à 10 autres villes européennes en 2003. Puis avec l'organisation de la Journée européenne des voisins en 2004, qui se déroule dans plus de 150 villes d'Europe et au-delà avec le Canada, la Turquie et l'Azerbaïdjan. Il existe un film français à propos de la fête des voisins. Réalisé en 2010 par David Haddad, ce film narre l'histoire de Pierrot, gardien qui organise cette fête dans son immeuble. Il s'intitule La fête des voisins. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Savez-vous quelles sont les trois plus grandes villes de France les trois plus grandes villes de France sont Paris, Marseille et Lyon. À elles trois, elles abritent plus de 3 millions de personnes. Cela fait beaucoup de voisins invités. Comment était cette leçon Avez-vous appris des choses intéressantes Et vous, avez-vous déjà participé à la fête des voisins Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Aimez-vous la cuisine française Si oui, alors ce sujet est pour vous peut-être connaissez-vous la fête de la gastronomie qui a lieu à travers la france et dans le monde chaque premier week-end d'automne. dans cette leçon, nous allons apprendre comment et pourquoi les français célèbrent la fête de la gastronomie. si vous connaissez la cuisine française, pouvez-vous me citer trois mets français célèbres? nous allons vous montrer la réponse à la fin de la vidéo. la gastronomie, c'est l'art de faire de la bonne cuisine. En France, la gastronomie peut être définie comme l'art de la table lié au plaisir de manger. Le repas gastronomique des Français, avec ses rituels et sa présentation, a été inscrit en 2010 au patrimoine immatériel de l'humanité. Les Français ont en effet une façon typique de manger en mariant les mets et les vins avec une succession de plats et une façon spécifique de se mettre à table. Lancée en 2011 par Madame Sylvia Pinel, ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme, la fête de la gastronomie a pour ambition de célébrer le savoir-faire, la tradition et l'innovation gastronomique française. Cette fête a plusieurs objectifs. Tout d'abord, promouvoir la cuisine française à travers le monde et en faire un argument touristique mais également à sensibiliser le public à la diversité des terroirs et des produits ainsi qu'aux multiples métiers qui touchent la gastronomie chaque année un thème est choisi pour la fête afin de varier les possibilités des animations comme des concours de cuisine amateur sont organisés cet événement est fêté dans toutes les régions de france mais également à l'international des pays comme l'afrique du sud le japon ou le canada ont participé à cette manifestation gourmande cette fête est encore récente et n'est pas encore reconnue par la majorité des Français. Néanmoins, son succès est croissant. 98 départements français ont célébré cet événement et plus de 75 000 professionnels ont participé. Connaissez-vous le guide Michelin C'est l'un des plus anciens et plus célèbres guides gastronomiques du monde. Après enquête des inspecteurs du guide, les restaurants obtiennent des étoiles, labels de qualité, trois étant le maximum. La France est le deuxième pays le plus étoilé. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Si vous connaissez la cuisine française, pouvez-vous me citer trois mets français célèbres La cuisine française possède de nombreux plats variés et il y a donc une grande possibilité de choix. Par exemple, le macaron, le foie gras et la blanquette de veau à l'ancienne, sont trois mai français célèbres dans le monde entier. Comment était cette leçon Avez-vous appris des choses intéressantes Quel est votre plat français préféré Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Savez-vous pourquoi le 1er novembre est férié en France C'est parce que les Français célèbrent la Toussaint, une fête catholique et également la fête des morts. Nous vous en dirons plus au cours de cette leçon. Savez-vous quelles fleurs les Français achètent-ils pour déposer sur les tombes d'un cimetière Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. La Toussaint est une fête catholique en l'honneur de tous les saints du Panthéon catholique. Son origine est difficile à déterminer puisque cette célébration est apparue à des dates variées selon les lieux. Au Ve siècle, les Romains célébraient les saints et les martyrs le dimanche après la Pentecôte. C'est à partir du 8e siècle qu'elle est fêtée le 1er novembre, lorsque le pape Grégoire III dédie une chapelle de la basilique Saint-Pierre de Rome en l'honneur de tous les saints. En 1835, le pape Grégoire IV ordonne que cette fête soit célébrée dans le monde entier. Ensuite, une fête des morts fut associée à la célébration de la Toussaint. En effet, au 11e siècle, Odilon de Cluny instaura la fête de tous les morts le 2 novembre. Cependant, la frontière entre ces deux célébrations ne fut jamais bien nette dans l'esprit des Français. Peu à peu, la fête des morts déborda sur la Toussaint. Aujourd'hui encore, beaucoup de Français pensent que la Toussaint est la fête des morts et non des saints. Le fait que le jour de la Toussaint soit férié, contrairement au 2 novembre, a contribué à généraliser cette tendance. C'est pourquoi la Toussaint est devenue pour la majorité des Français le jour des morts. Les Français viennent se recueillir sur la tombe des défunts de leur famille. Certains font même de longs trajets en voiture pour aller s'occuper des tombes familiales éloignées de leur domicile. La tradition veut que les Français se rendent au cimetière afin de nettoyer et de fleurir les tombes de leurs disparus. La Toussaint est très appréciée des enfants et des étudiants. En effet, ils profitent généralement, durant cette période, des vacances de deux semaines appelées les vacances de la Toussaint, durant lesquelles ils peuvent se prélasser. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Savez-vous quelles fleurs les Français achètent-ils pour déposer sur les tombes du cimetière En France, on couvre les tombes avec des fleurs comme les chrysanthèmes ou les œillets d'Inde. Ces fleurs sont assimilées aux défunts et symbolisent l'amour. Comment était cette leçon Avez-vous appris des choses intéressantes Avez-vous dans votre pays une journée en mémoire des morts Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Durant l'été, vous avez peut-être des vacances. En France, on les appelle les grandes vacances. Elles désignent la plus longue période des vacances scolaires et débutent généralement en juillet pour finir en août. Savez-vous quelle est la région française la plus visitée par les vacanciers français durant l'été Nous allons vous montrer la réponse à la fin de la vidéo. Ce sont avant tout les enfants et les étudiants qui profitent des deux mois de vacances durant l'été. Les élèves français sont parmi ceux qui ont le plus grand nombre d'heures de cours, mais le plus faible nombre de journées passées à l'école. Historiquement, cette période, qui est celle des moissons dans l'hémisphère nord, Nécessitait auparavant la présence des enfants auprès de leurs parents dans les champs pour les travaux agricoles. Les écoles fermaient donc pour permettre aux enfants d'aller aider leurs parents. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, qui vit l'avènement des congés payés, les grandes vacances sont synonymes des vacances d'été et de tourisme. Apparues en France en 1936, les congés payés sont une innovation sociale majeure. Aujourd'hui, un travailleur français a droit à 30 jours de congés payés. Ils sont obligatoires et permettent à chaque employé de partir en vacances et donc de réunir ainsi parents et enfants. C'est en général durant les grandes vacances que les Français prennent la plus grande partie de leurs congés. En effet, 66% partent en vacances chaque été, ce qui représente 45 millions de vacanciers. Et les Français aiment partir en vacances en France puisque plus de 80% des séjours se font en France métropolitaine. Les vacances se déroulent généralement à la mer. Les Français préfèrent en effet aller à la montagne en hiver. Lorsque les Français choisissent de partir à l'étranger durant les grandes vacances, ce sont l'Espagne, l'Italie et la Grèce qui sont les destinations les plus prisées. Les Français aiment en effet les pays où il fait chaud et où ils peuvent se baigner. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Savez-vous quelle est la région française la plus visitée par les vacanciers français durant l'été C'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est la plus prisée par les Français lorsqu'ils partent en vacances d'été. Le principal avantage de cette région est qu'elle est baignée au sud par la mer Méditerranée. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free Lifetime account. Just click the link in the description.